Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Merci de nous avoir encore choisis. Nous sommes très reconnaissants quand nous connaissons que vous êtes nombreux. Vous aviez choisi de suivre quotidiennement Contact Pro Live. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous encourage. Surtout lorsque nous recevons vos feedbacks, c'est-à-dire vos commentaires, c'est-à-dire lorsque vous partagez nos émissions. Nous sommes vraiment très heureux. Cela nous encourage à faire encore beaucoup plus mieux. Mes chers amis, je voulais justement vous dire pourquoi est-ce que nous demandons vos commentaires et pourquoi est-ce que nous vous demandons de partager nos émissions. Si vous aimez aussi vous abonner, c'est parce qu'en faisant cela, c'est cela qui fait que nous ayons le feedback, surtout lorsque pour les gens qui n'ont pas le temps de nous suivre en direct et qui ne peuvent pas laisser les commentaires en direct, ça fait notre chaîne, afin que ça, la visibilité, donc ça augmente la visibilité de notre chaîne. Et quand vous aimez et quand vous donnez de likes, ça nous donne du poids. Et les commentaires nous servent beaucoup plus à orienter surtout nos sujets, à orienter, à nous remettre sur le rail. Par exemple, nous parlons beaucoup plus, nous avions défini notre émission en parlant de la Constitution avec l'actualité. Donc, nous dénonçons ce qui est dans l'actualité, qui n'est pas conforme avec la Constitution. Nous n'analysons pas la Constitution, mais nous lisons la Constitution. Mais, lorsque nous constatons que vous voulez à ce que nous donnions notre opinion sur certains de ces sujets, c'est de là qui fait à ce que, par exemple, beaucoup de temps, ces derniers temps, vous nous aviez demandé de parler de l'état de siège et de la marche de notre pays. Alors, nous sommes en train d'alterner plutôt entre la marche et la Constitution. Rappelez-vous que notre position est celle-ci. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est qu'une transition qui va nous permettre d'aller dans un nouveau Congo. Nous prenons pour un nouveau Congo une quatrième république où la base aura à diriger ce Congo ici. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Aujourd'hui nous allons parler de ce désordre qui règne dans cette république que nous vivons aujourd'hui, que nous disons que tozo kende kaka danzem nandenge amabe toko suka kata na développement mon côté ce qui tozo continuer na système oyo toko parler le long na ba désordre wana na kumla kisa comment est-ce que toko kosili sa ba désordre wana. Alors avant d'aller un peu plus loin comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour parler du désordre qui règne dans notre République où l'État n'existe pas. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. État généraux de lait sur le ministre annonce la fermeture des facultés de médecine non viables. Et puis Kinshasa, Martin Fayoulou rejette la décision du gouverneur et maintient la marche du 15 septembre. On va sur actualité.cd. Loukwebo, je n'ai aucune affaire dans les mines. Et puis procès Matata Ponyo fixé au 25 octobre prochain à la Cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi évalue l'état de siège et donne de nouvelles instructions. Congo profond, Kananga, 80 filles adolescentes obtiennent des titres de dignité, dont l'une ONG locale. Et puis Suisse D1, mais chaque Elias de nouveau buteur avant d'affronter Manchester United de Cristiano Ronaldo ce mardi en Ligue des Champions. 7 sur 7. Kinshasa Ngobila suggère à la Mouka d'organiser sa marche au 17 septembre. Et puis Kinshasa, Jean-Marie Lukalasi et le G24 réserve une récompense à tout celui qui annoncera un point de vente de la drogue bombée. On termine par Radio Okapi. Sud Kivu, un nouveau procès organisé, conséquence de la grève du personnel judiciaire. Et puis Kasaï, examen d'état, fin d'études professionnelles. Ça, c'est l'examen de fin d'études professionnelles. Merci
On se revoit demain dans un nouveau numéro. Voilà. Madame, mesdames et messieurs, Kinshasa, Mikolo, Oyo, Ezana, Ezo vibré, lobby Kozala mercredi, na démarche, na marche, Oyo, la Moukaza, ko programme ke asala marche pour protester pour Makambo Bele, Makambo Zole, Kana Est et tout ça. Nous avons vu au sein même de cette république qu'il y a une certaine cacophonie, désordre, na ndenge moko indescriptible. Nous allons d'abord commencer par le Parlement. Tolo Belanamu, désordre au Ezana Parlement. Et puis, ce désordre est supporté juste par les juristes. Batouo et Amayel, Otokanisakeo, Bazaba, constitutionnaliste, ils se disent des professeurs, Bapesakabakour, Nanani, en Afrique du Sud, par-ci, par-là. Mais ce sont eux qui sont les premiers à cautionner le désordre qui se passe au Parlement. Nandengeni, voilà où est tout est parti. Makamboya, qu'on réqualifie la majorité dans le cadre du Parlement. Bandeko, moi je vous dis que ça c'est un désordre. En disant que, binoba député, vous devez choisir, vous devez commencer à agir au Parlement comme vous entendez. Pas de. Donc on a effacé les histoires là des groupes parlementaires, opposition, Zaboué, Banin. On a même pas un chef d'opposition. Opposition, par exemple, na voix Mokokolobi, Bisso va partir opposition. Ce n'est pas clair jusqu'aujourd'hui que nous avons classe à opposition, na classe à majorité, na baba au bazar, na kati kati au babenga bango bazar à 100 voix ou bien bazar cheval. Donc, au Parlement aujourd'hui, on peut appeler opposition, la voix de l'opposition. Au moins, on doit se déterminer à l'obinga et naza opposant. Donc, opposition, ils en avoir à mon côté, majorité, ils en avoir à mon côté. Et c'est de là où peut partir, est en train de partir des ordres. Oh, le modèle, on a ce qui ordre les alités. Parce que vous êtes 500 députés. Vous l'obéissez que non, chaque député a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à prendre sa position. Nonobstant, il y a parti politique ou bien nani oye est indien na parlement. Il y a les indiens. Batoubaya na parlement, ils ont un cartel politique. Et je crois que ce sont des courants politiques qui doivent être. Ils ont maintenu pour que tout ordre. Maintenant que nous sommes 500 parlementaires, si aujourd'hui on dit union sacrée, na union sacrée kuna opposition exacte batunyon so bazakuna qui n'est même pas, on ne sait même pas définir union sacrée on a des majorités au président de la République selon ce qui est ce parlement lelo. Donc ba député on a baza côté kuna ba mususu baza opposition, non on ne comprend pas finalement elo comment ko ekobima na kati ya parlement on a exacte. Nous allons ko kendeka to kubando kendeka na buru yekekaka. Les gens ne font pas selon l'ordre Yakoloba, ordre Yango Oyo. Bino batu opposition, selon tel, par exemple, déclaration Boye. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre position? Batu bako sangana na ndenge ya mangoma na bango na ndenge ke constitutionnel règlement d'ordre intérieur à parlement, ça le maka. Bakoloba na selon leur courant politique. Bakoloba biso batu à gauche, selon tel nani tolobi Boye. Opposition tolobi Boye. Mais les lois comme une cacophonie jusqu'à ce qu'on ne sait plus prendre de décisions. Parlement n'a pas besoin qu'on soit décision T. Batounyon surtout Bazako Banga. Même regardez même la commission de sécurité. Lorsqu'ils donnent leur rapport, vous sentez que non. La commission a ça qu'on s'imposait. Ils ont la voix T à quoi qu'on l'a que non. Toloba Toza contre état de siège, par exemple. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés. Bah, tout le monde sont pas protégés. Sachez qu'il y a des ordres. Il y a un peu comme on a, par exemple, le même qui est au Sénat. Nous savons qu'il a des ambitions politiques à cause de la présidente de la République. Mais il ne peut pas les déclarer. Pourquoi? Parce que. Assurance, il y en a un cartel exact que non, cartel foulain n'est pas protégé. Biso va tous protéger, il y a une loi pour
tozo kene na ndenge ya ordre, ordre moko eza na parlement te. Alors, il y a un fait qui est anodin, Mikolo Oyo. Il y a kolakisa ke penza bato baza koboma Congo, eza kaka biso moko, surtout les députés. Vous avez un salaire. Ozoyoka, ba député, je ne sais pas ce qui ba député baza na barrière à ba salaire na ba monte, baza na barrière te. Ils ont un salaire. Ils vont encore demander à ce que ba mituka na bango o ba kopesa na bango e futa douane. Vous savez que 500 véhicules manquent à gagner à l'État na importation à 500 véhicules. Vraiment, biso ba congolais tozalaka ndenge nini? C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous mettre le bâton dans les roues. Tous les gens qui ont collé les tambongo. Ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Donc moi je me dis, mais tous les wapi, ils ont commis wapi dans le monde. Moi je pense que c'était déjà quelque chose de bien à Colobano. On vous donne les véhicules, mais. Bon foutre à ta douane pour que les tests se retrouvent. Tant que vous avez un peu de temps, est-ce que vous n'avez pas vraiment pensé à ce que l'État doit avoir quelque chose en retour tant que l'importation est là? Quel est le manque à gagner? Est-ce qu'ils ont calculé, moi ça, ils ont calculé vraiment, manque à gagner à 500 véhicules pour la douane? Et que quand on a un peu de temps à Kinshasa, et qu'augmenter ce qu'on volume sous ce ami tout cas dans Katia Banzela. Mais non. Et là nous allons commencer à nous dire que non, batu msusu ndem tu baza ko bomamboka o batu balingi mboka te. Mais ces députés, ils ont l'argent chaque fin du mois, ils ont l'argent. Attends, futa makanda muna mais baza na salaire na bango parce que zana batu msusu o ba futa makakutu te. Il y a des gens qui ont des arriérés à salaire, mais quand même, dans le Parlement, pas un bongo. Donc, ils peuvent quand même se dire que non, bongo, oh, bah, véhicule, oh. Le Parlement doit quand même qu'on foute à ta, à ta, à ta, pas qu'il y a mimi tout kawana. Donc, bah, pe sabino kakambo, et comme il y a kambo kango, et comme il y a nengwana. Alors, vous allez maximiser les recettes comment? Bosa ko le kende kote o bosa ko no ba mbongo so kotate bosa la boy entre temps c'est vous même qui est le premier à demander les exonérations ya ba biloko na ba véhicule ezama. En tout cas mon point de vue c'est ça. Pour ceux qui m'ont posé cette question, moi je vous ai dit que non, en tout cas moi je ne suis pas d'accord. Et si cela se faisait et que ma pabandi ko zo akabami tukawana, vraiment sachez que c'est nous mêmes qui sommes en train de tuer ce pays. Et je crois que le président de la République, vous êtes responsable. Donc, nous avons dit sur le Parlement des ordres aux députés qui se débauchent. Donc, on ne peut pas se fier sur une ligne. Il y a parti politique qui est parlementé. Ça, c'est devenu officiel. C'est devenu officiel au Parlement. Donc, nous avons dit que nous avons une opposition, nous avons une majorité, et que ça, nous avons une autre côté. Donc, notre Parlement est un peu comme ça. Ça, c'est connu maintenant. Alors, désordre est un peu plus. Nous avons dit que le gouvernement est un peu plus. Nous avons dit que la cacophonie est un peu plus. Balobaki gouvernement za ya bawario. Mais regardez comment est-ce que le ministre sont en train de se battre entre eux. Notamment tout à la likambo outi koleka awa ya likambo ba sex step ya ban. Deux ministres, deux voix sur. Donc mutualobibo ça nous perd, ils ont perdu la population congolaise. Toza koye batte so kindenge nini makamwango za kokende. Le gouvernement n'est pas présent. Le gouvernement s'est présenté. Depuis les 100 jours, est-ce que vous avez entendu Bapé Sibila Moko que non, vraiment, le gouvernement est effacé. Il est grand temps que nous puissions prendre les choses en main en nous disant que Tango Yangoyo, Tokanisa, comment est-ce que nous pouvons recommencer notre Congo? Les désordres qui se font, ils ont un état de siège. Bandeko,
Je vous en avais parlé hier. Comment sur un même fait faire des séquences qu'on a un point de vue nango, hein? Gouvernement vous a un point de vue nango, et puis population ça colombe biso bazo boma biso kaka. Les faits sont là. Gouvernement ça on dirait zo banga ba soda bazo colombe non ma kambozo kende kaka bien sur le terrain c'est la population qui subit. Mais colonie sur population zo colombe biso tozal qui mieux a été côté en état de siège. Mais maintenant, c'est le courage. Maintenant, il y a Koloba qui est en état de siège. Qu'est-ce qu'il faut? Tout ça parce qu'il n'y a pas un mécanisme. Biloko nyonso ezaka na mutu ya mutu moko. Je vous ai dit que tant que mutu moko a la constitution, il n'y a pas de constitution. Le président de la République, le chef, c'est le chef qui décide, c'est le patron de la République. Il doit faire ceci, il viendra ici. C'est lui qui doit faire ceci, c'est lui qui doit intervenir ici. Makamboa, Seni Mota, la Binomoko, tout ça c'est de la cacophonie. Il est grand temps à ce que nous puissions causer la conscience à Koloba. Congo n'a ni autre qu'un des bandeaux. Toko zonga, toko maïsi à mon côté. Il est grand temps. Tant y a un mot à Kokanisa Koloba, non. Bande Kotova nanano, Tokanisa nanano, comment est-ce que tu as rectifié tir? Afin que tu as biso na bomoko nyos, biso nyos toza na bomoko. Alors, quelle est notre démarche dans tout ceci? Tozo lobela biloko oponani. Bande ko l'ordre et yaka, quand vous mettez de l'ordre, et mon anaka. Bamboka o toza awa na étranger, awa même toza kaka na Afrique awa. Il y a de l'ordre. Quand tu arrives dans une ville comme Johannesburg, à Taoken, à Cape Town, à Tekon, à Durban, partout au Kenya, tu vas sentir d'abord, il y a un ordre qui est ordre. Mais moi, je suis ici depuis 90, dans les années 90. Je suis arrivé ici, je crois, en 91. Eza mawana pasi kota la ka différence tant tokenda na Congo otali différence moni ordre za te batu mutu na mutu o sala makamuna nenge na ye. Il est grand temps que nous puissions nous prendre tout prendre conscience ya ko remettre mboka na biso na ordre. L'ordre c'est quoi finalement? L'ordre ezali ko respecter mibeko o biso moko to tie en place. Okoyoka mutu a lobi boye, okoyoka ministre a lobi boye, okoyoka le ministre provincial aza ko jump na ba responsabilité oza ya yete tout ça. L'état ezalite tout ça parce qu'il y a des ordres, c'est là où on a l'impression que l'état n'existe pas. L'état n'existe pas parce qu'il n'y a pas l'ordre. To yebite nani akosala nini? Makamunyo sona siko désordre wana ekoma ko kende na mutu ya mutu moko chef président de la République. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit nommer même l'administrateur de territoire. Mutu administrateur de territoire, il faut ça azala nommé par ordonnance. Bandeko, nous avions dit ceci.
il faut absolument tout le cas moyen ya ko décharger tête la tête de notre pays que ma kamunyon sotango ezo kende mabe ezalate que président de la république ne mouto ko intervenir. C'est pour cela que nous prenons à ce que les Congolais puissent être devant ses propres responsabilités, Bandeko. Quelqu'un a dit, je crois avoir lu ce livre-là, tant que Bokonzi na maboko a mutumoko, ba dérapage zanga kate, trafic d'influence et koza la kaka, ba biloko nyoso, parce que nazan de kwa mukonzi, nazan mutu attribue à mukonzi, ngai mukonzi, parce que mukonzi ne mutu azana, azana liloba moko yako, azana liloba bomo yo ba loba kaya pona Congo. Et c'est là où nous disons qu'il faut que nous puissions nous écarter de cette voie-là. Donc, s'écarter dans mon monde, le chemin est simple. Bandeko, le chemin est simple. Pour Toyebi, comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est pourquoi, même nos politiciens, c'est pour cela que Natiela Kibino, quand moi, vidéo, il y a Bangouns, Karlibond, et puis le Tshisekedi qui, au début, dit parler du fédéralisme. Pourquoi est-ce que Bango Maloba Kimengwana? Ils ont dit ça pourquoi? Parce que le Congo étant presque un continent, il a fallu que l'administré soit près de l'administrateur. Batouba Zalaka ensemble. Que les gens, que les mesures, Batouba Zalaka Kamba, Bazalaka Pembenia Batouba Kamba Batou. Ba décision est Zalaka prise par un consensus, par Batché ordre. Et là, ça ne peut que marcher dans un système pratiquement décentralisé où le fédéralisme. Tout ce banga mingi, le fédéralisme, le cotine, le kabato, bako katanani, bako. Non, c'est parce que nous ne le voulons pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent. Na système ya mabe otoza nango ya unitarisme oyo mutu moko kaka. Es na système onde ya ba prêtre e bota ba prêtre. Bandeko, système o e bota ba prêtre parce que yende mokonzi na biso ye wana, mokonzi na biso ye wana, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit tout faire. Et quand mokonzi wana yende mutu akoya ko décider à votre place. Nos pères de l'indépendance avaient discuté de ça déjà depuis. C'est pour cela que j'ai dit que moi, vidéo, on est bandeli. Que tu vas discuter comme à l'hôpital. Le Congo sans fédéralisme ou décentralisé et Kozalaka, et que tout le monde développement et Kozalaka. Tout désacralisé dans nous, le Congo est président de la République. Azala, Atikala, la bande, qu'est-ce qu'il va faire? Que les gens puissent fonctionner en bango la bien défini que oh a koki ko sala makambu oh te a wa ko kende boete. C'est pour cela que nous disons pour y arriver il faut absolument que le président actuel oh mutu azana bokonzi a déclaré yango azala na courage a koloba ke no bandeko na modèle oh to kokoma sika mon côté. C'est avec nous tous, à tabisson nous autolobi, non, toujours supporter l'idée à mon conzi, toujours supporter l'idée à mon conzi. Nous dérobons à ne nous impliquant pas dans le schéma de la reconstruction. Nous sommes en train de voler de l'autre côté en disant que mon conzi ne m'a pas la boue. Bah, ma camboise a posé les manakifs, ou qu'on a koiba, tout en espérant que le président de la République va faire quelque chose. Est-ce que le président de la République n'aime pas aucun dossier, ça va ADF Kuna? Il faut que les enfants de là-bas à la contrôler, bah, se mettre d'accord pour la consigne, ça va plus loin. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut du pouvoir. Mais maintenant, regardez, même les militaires, vous aviez, je crois, suivi dans les réseaux, on dit que les militaires, on leur a donné tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Bazo ko évaluer, bango, mission, bah, pesa ki, bango, bazo ko kate. Mais ils vous diront que non, état de siège, ils ont bien, puis ils sont tous qu'un de bien. Ça, ce sont les histoires de Djalelo. Il faut absolument tout changer système au Bandeko. Et le système, comment le changer? C'est pour cela que nous nous sommes dit, le premier pas à faire
ezak ko reconnaître d'abord que système o ezak ko koma ezo tozana nga nakati ezo même abiso esika mon côté. Appelons les états de lieux de territoire. Je suis sûr que ba territoire ce qui ba vandi ba tu ba vandi ba lobi to sala ba état de lieux wana ba tu na kati ba territoire. Basta là, recensement, identification, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Mais il faudrait que Tokende, avec des plans vraiment autres, que non, après identification, disons, dans l'état de lieu, nous parlerons de l'identification, nous parlerons du recensement, nous parlerons de l'administration, nous parlerons de la sécurité. Tant que l'état de lieu est aussi dans le territoire, tout le monde est en compilation dans la province. Dans la province, dans les 26 provinces, tout le monde est en état d'abisso. C'est là où nous pourrons trouver une nouvelle classe politique. Et où est la base, et où est la base, dans un seul but, il y a un côté de la constitution où les Congolais se retrouveront. Où les Congolais seront maîtres de leur destin, parce la bataille, Yakobongi Samboka na Bango. Je veux m'arrêter par là aujourd'hui, parce que ça c'est un sujet, je le répète, pourquoi? Parce que je suis très convaincu que sans les états de lieux de territoire, nous avons 145 territoires, nous avons tous les autres, ceux qui sont tous les autres, nous avons tous les autres, nous avons tous les autres, nous avons tous les tout autour kaka boye élection légitimité ango toza ko potana ka boye to ko trouva ka solution te. Voilà, la suite ça sera toujours dans un autre numéro. Les autres lobela ka ba désordre, mais nous terminons par nous dire que non, pour terminer ce désordre il faut que batuba vanda baloba que non, en tout cas awa par exemple na territoire ya Mwenga ou bien na territoire ya Rutshuru, na territoire ya Beni, bisotos à la autant, notre force c'est autant, nous allons nous mettre d'accord à ce que tu contrôles les commerçants, tu copes autant la République, mais sécurité na biso et qu'on allons assumer par nous-mêmes, nous allons nous battre pour que Batubaï, Bakabilo, quoi, Batouté, que nous tous nous implémentons la paix dans notre territoire. Bah engagement on a soké et kamatami et soami naba. Dans le territoire, je crois que lorsque nous aurons tout un pays tout entier, pays Kokiko Zonga, dans moins de 2-3 ans. Voilà, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de nous encourager, de nous appeler, de nous laisser des j'aime, de nous laisser des commentaires. Ça nous fait vraiment du bien. Si vous êtes là pour la première fois, ne manquez pas de laisser un commentaire. Et puis, abonnez-vous si vous aviez aimé. Et espérant que nous allons encore nous retrouver demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.